Cédric Paulet, vous êtes botaniste photographe. Parlez-nous de vous. Au départ, je voulais être vétérinaire, en fait. Mon père était vétérinaire et j'ai eu un très, très bon prof de biologie végétale à Marseille lors de ma prépa véto et qui m'a ouvert les yeux sur ce monde fascinant des plantes. Alors, mes parents m'avaient un peu baladé dans des parcs nationaux, comme j'ai un souvenir assez fabuleux dans les parcs des séquoias en Californie, par exemple, quand j'étais gamin, quand j'avais 13-14 ans. Mais aucune idée de vouloir faire une carrière dans ce domaine-là, dans le domaine des plantes. Et c'est vrai que petit à petit, dans mon cursus, il y a des petites pierres qui se sont posées comme ça et qui m'ont aiguillé vers ce métier de paysagiste que finalement je n'ai jamais exercé. Et un jour, je mets 2-3 heures pour aller atteindre un jardin que je voulais visiter. Une amie m'avait prêté son appareil, son réflexe argentique. Moi, je n'ai jamais fait de photographie, je n'ai jamais pris de cours de photographie, je suis complètement autodidacte en photo. Et c'était la première fois que j'avais d'ailleurs un appareil argentique dans les mains. Et là, quand j'arrive, je voulais prendre des photos de fleurs, d'associations de plantes pour me donner des idées pour mes futurs jardins. Et quand j'arrive dans le jardin, en fait, c'était pas le bon moment. Soit c'était fané, soit c'était pas encore éclos. Donc j'étais assez déçu. Et je me suis dit, je peux pas revenir de ce jardin sans photo, c'est pas possible. Et en sortant du jardin, je vois un vieux chêne de 300-400 ans qui m'a appelé quelque part et qui m'a donné envie de le prendre en photo, et particulièrement son écorce, son tronc, très tourmenté, très crevassé. Et du coup, ça a été ma première photo en 1999 en Angleterre, et ça m'a ouvert les yeux sur ce fabuleux monde des écorces. La petite anecdote que j'aime bien raconter aussi, c'est que quand je suis revenu en France, en fait, j'avais fait quelques pellicules photo, puisqu'à l'époque c'était des pellicules, et il me manquait une pellicule, c'était les pellicules où j'avais pris en photo ce vieux chêne. Donc moi, j'étais un peu triste parce que c'était quand même le début de tout. Et quand j'ai voulu faire mon premier livre en 2008 sur les écorces, je me suis dit, je ne peux pas faire un livre sans cette photo-là. Donc je suis retourné le voir, lui rendre une petite visite quelques années après. Je me souviens très bien, j'avais fait 31 pellicules pour ce périple-là, exprès. Quand j'entre en France, j'en ai 30, il m'en manque une. À nouveau, cette pellicule où j'avais pris en photo ce chêne. Donc en fait, personne n'a jamais vu cette première photo de chêne, puisque j'y suis pas retourné une troisième fois. J'ai compris qu'en fait, il voulait pas. C'était un chêne discret qui voulait pas être pris en photo et montré au public. Et donc j'ai en mémoire cette photo d'écorce dans mon cœur et dans ma tête, parce que quelque part, grâce à lui, j'ai créé mon métier depuis 25 ans. Et un des gros coup de cœur que j'ai eu aussi dans ma carrière de photographe spécialisé dans les écorces, c'est il y a 4-5 ans en Australie. Ça faisait très longtemps que je rêvais de voir un eucalyptus des neiges de Tasmanie, plus précisément sur les hauts plateaux de Tasmanie. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai vraiment pleuré de joie d'avoir trouvé un arbre. Et j'ai passé quasiment une demi-journée à son pied, à son chevet. Et j'ai un sentiment immense de bonheur une fois l'avoir trouvé. Et ça, c'est un beau souvenir de rencontre avec un arbre. Dans mon travail artistique, j'essaye d'être tout d'abord le plus fidèle à ce que je vois, à la nature. Parce que c'est elle l'artiste, elle le créateur. Moi, je ne suis qu'un révélateur. Donc, j'essaie d'être très rigoureux là-dessus. Pas d'artifice, le plus simplement possible, faire ma prise de vue. J'ai pas de réflecteur, j'ai pas de flash, j'ai juste un trépied, un objectif macro et un bon œil. La meilleure des lentilles, c'est le regard et la passion que l'on a à prendre en photo son modèle, parce que moi, mes arbres que je prends en photo, ce sont des vrais modèles pour moi. Alors je les bichonne un petit peu dans le sens où je les prépare à la prise de vue parfois, où j'ai un pinceau, un petit chiffon microfibre pour nettoyer un peu l'écorce, pour en fait rentrer vraiment dans la matière, faire des photos le plus abstraites possible, mais qui soient quand même rattachées à la caractéristique de l'espèce donnée. Et ce qui m'attire dans les écorces, c'est vraiment ce côté matière, texture, couleur extraordinaire, parce que la plupart du temps, quand on parle écorce,
C'est quelque chose de... Les gens ont en tête quelque chose d'inerte, grisâtre, monochrome. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs d'être très patient pour trouver un éditeur. J'ai mis 7 ans pour trouver un éditeur. Parce que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait faire un livre sur les écorces. Et finalement, j'en ai fait 3, qui a rencontré vraiment beaucoup de succès. Et du coup, on arrive à voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est ça qui me passionne dans ce sujet. Et surtout, révéler aussi, donner un nouveau regard, proposer un nouveau regard au public. On ne pense jamais vraiment à aller voir un arbre pour son écorce. Et il y a des périodes aussi, il faut le savoir, hein, il y a certaines périodes dans les arbres qui, ce qu'on appelle, qui desquament, qui vont changer leur peau, leur écorce. Il y a des saisons particulières, parfois c'est le printemps, parfois c'est l'été, parfois c'est l'automne. Mon travail artistique, en effet, se double d'un travail scientifique. Je suis à la base scientifique de formation, donc j'ai cette rigueur et cette volonté de garder une trace de mon travail par l'intermédiaire de mes ouvrages, mais également j'ai créé ce que j'ai appelé une floyothèque, puisque le mot même scientifique n'existait pas. Littéralement, floyos en grec, c'est le cortex, l'écorce, et tech, la collection, donc une collection d'écorces. Et la floyothèque, maintenant, regroupe à peu près plus de 1000 espèces différentes d'écorces du monde entier. Et donc il y a cette trace et cette volonté de faire comme une sorte de cabinet aussi de curiosité et de montrer aux gens cette diversité-là. Donc il y a cette démarche quand même derrière scientifique, d'essayer de recenser les plus belles essences d'arbres aussi sur la planète. Alors il faut savoir qu'il y a quasiment près de 70 000 espèces d'arbres recensées. J'en ai vu peut-être 5, 6 000 espèces. J'en ai identifié à peu près 500 qui valent vraiment le 500-600, qui valent vraiment le coup, qui sont intéressantes, originales. Mais voilà, le but est vraiment d'essayer d'avoir une référence aussi scientifique, pas que artistique, mais scientifique dans mon travail. Mais c'est vrai que la base de mon travail, c'est d'abord l'émotion. Rentrer dans la matière, s'évader, voyager. Et je pense que quand on arrive à photographier avec le cœur et transmettre cette émotion-là aux gens. Pour moi, c'est ma façon de sensibiliser mon public. Et je pense que quand on aime quelque chose, forcément, on va le protéger. Il existe, c'est vrai, en effet, un rapport de domination de l'homme sur la nature, où l'homme veut tout maîtriser, tout contrôler, alors qu'en fait, c'est la nature, quelque part, qui le contrôle. On voit bien, lors des amplitudes des catastrophes naturelles, l'homme n'est rien face à la puissance de la nature. Dans nos anciennes civilisations, et encore maintenant, quelques rares tribus utilisent et sont toujours connectées à cette nature, à cette mère nourricière et Gaïa, quelque part. Donc, on oublie que l'arbre est là pour nous aider à respirer, puisque c'est lui qui va libérer de l'oxygène dans l'air, mais on oublie aussi que c'est lui qui va fixer le carbone. Donc tous nos rejets carbonés, si on plante des milliards d'arbres sur Terre, parce qu'on peut encore planter des milliards d'arbres, il y a plus de 3000 milliards d'arbres sur Terre, on pourrait encore en planter 1000 milliards. Donc il y aurait de quoi faire pour fixer encore plus ce carbone. C'est aussi sans l'arbre, la nourriture de milliards d'animaux, et tout est interconnecté. Donc de plus en plus on prend aussi conscience que l'arbre dans les villes est extrêmement important, et suivant là où on les place, génère des microclimats et notamment au niveau de l'ombre, de l'hygrométrie, etc., vraiment a un impact extrêmement favorable. On s'aperçoit aussi que même le vert au niveau médical, il y a pas mal d'études qui ont été faites, ne serait-ce que dans une chambre d'hôpital, si ça a une vue sur du béton ou une vue sur un parc, on a constaté qu'il y avait une accélération de la guérison. Donc en fait, l'arbre à tous les niveaux, médical, nourricier, structure, psychologique, spirituel, etc., a un impact positif sur notre vie. Donc il est urgent de le respecter, d'en planter et de vivre avec lui en harmonie. Étant à la base scientifique et très cartésien, j'ai mis un frein
à cette écoute et cette sensibilité spirituelle avec les arbres. Mais j'y viens de plus en plus, en fait. Essayer d'entamer une discussion avec un arbre, je me disais, non, mais t'es un peu fou, arrête tes bêtises, un arbre, ça parle pas. Et puis, progressivement, puis l'âge aussi fait que je m'ouvre de plus en plus à ça. Je me soigne avec les plantes, beaucoup, et c'est vrai que je me suis souvent posé la question, mais comment on a eu l'idée de prendre telle graine, telle feuille, telle écorce pour soigner tel ou tel mot. Et alors, il y a de l'empirisme, bien sûr, mais au départ, il faut bien commencer. Et on ne peut pas tout utiliser parce qu'il y a des plantes toxiques. Donc, forcément, il y a des personnes qui sont branchées sur la source, sur une forme de source mère, où ils ont des visions, où, bon, c'est derrière, il y a le chamanisme aussi. On commence à ouvrir vraiment les portes de cette spiritualité, de cette connexion avec le vivant et la nature, et il était temps.